au-delà de votre complicité, une espèce de confrontation un peu physique. C'est un peu le cas, il y a quelque chose de physique dans la relation, de je sais pas, c'est pas regardez comme ouais, ça. Vous voulez parler du personnage ouais. Oui, oui, donc, non, mais oui, oui. Je pense que c'est pas pour rien qu'on nous a choisis tous les deux. Quoi. Qui a eu l'idée d'ailleurs de vous réunir? C'est Jean-Louis Lévy, le producteur. Qui coproduit la pièce, oui. Mm. Qui avait également produit Des fleurs pour Algernon. Mm-hmm. Et, dans laquelle jouait Grégory Gadebois. Exactement, et qui a eu l'idée de les réunir tous les deux. Et c'est vrai que c'est un couple... assez improbable au premier abord, et en fait, quand on les voit sur le plateau, pas du tout. Ils sont non seulement très complémentaires, et en même temps, vous avez raison, ils ont tous les deux un engagement physique assez incroyable, et c'est les mêmes dans le travail. Ils ont le même rapport très simple, finalement. C'est pas des divas, quoi. Non seulement c'est pas des divas, mais aussi, c'est des acteurs instinctifs. C'est des acteurs qui font, qui proposent, qui ne sont pas là à réfléchir et puis à blablater pendant des heures. Ça se passe sur un plateau. Voilà. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà, instinctif. C'est exactement ce qu'on fait. En tout cas, quand on est dans la salle. Vous êtes arrivé plus tard sur ce projet, je crois. Oui, en fait, Jean-Louis, quand il a proposé la pièce à Eric et Grégory, il y avait également déjà aussi Caroline Siolle. Et il n'y avait pas de metteur en scène. Et il a pensé à moi pour faire la mise en scène. Et déjà, j'étais heureuse de retrouver Eric. Oui, parce que vous l'aviez dirigé au Théâtre Marigny en 2010. Oui. C'était la première fois qu'il montait sur scène, donc j'étais heureuse de le retrouver. Mm-hmm. Et puis, Grégory Gadebois, on était tous les deux au conservatoire ensemble. Mm-hmm. Donc, c'était des retrouvailles également. Ouais. Vous l'avez dirigé déjà, Eric, au Théâtre Marigny. Mm-hmm. Et le Théâtre Marigny, à l'époque, qui le dirigeait? Pierre Lescure. Eh oui, notre Pierre. Qui a un petit mot à vous adresser? On écoute. J'ai un souvenir de cette période triomphale à Marigny, qui résume les deux vies publiques d'Eric. Il était en interview dans sa loge avec un grand journaliste du Monde. Et moi, je passais dans le couloir, je faisais visiter le théâtre à un grand metteur en scène de théâtre, Dan Gemet, qui venait de triompher à la Comédie Française dans La Grande Magie. Et Dan me dit, « Oh, tu me présentes, Eric, c'est mon idole. » Quand on repasse, je rentre dans la loge, je dis, « Eric, je vous interromps, je voudrais vous présenter Dan Gemet. » Et à ce moment-là, Eric dit, « J'ai vu trois fois La Grande Magie. » Je peux vous dire que Dan Gemet, il est encore en train de le raconter dans un pub anglais. Super souvenir. Si vous dirigez à nouveau Eric, c'est que ça s'était bien passé la première fois. Oui. Oui. Non, parce que ça peut ne pas être évident quand même de diriger son mari, son compagnon, l'homme qu'on connaît par cœur, sous toutes les coutures. Ben, non, justement, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est plus difficile quand on connaît bien la personne, parce que moi, je sais l'acteur qu'il est. Donc vous êtes plus exigeante, en fait. Exactement. Oui. Plus voilà. Impitoyable. Ouais, je m'en rends compte. Moi, pendant les répétitions, mon assistante, des fois, elle me disait, mais arrête, calme-toi. C'est très bien ce qu'il fait. Non, non, mais en fait, beaucoup plus, peut-être plus pointilleuse que je ne peux l'être avec d'autres. Mais vous aimez ce regard, et justement très exigeant, qu'elle a sur votre moi, travail. Moi, au contraire, je préfère travailler avec Rachida, que je connais parfaitement. Je connais ses goûts, je connais la femme, je connais l'artiste qu'elle est, et je lui fais parfaitement confiance, quoi. C'est-à-dire, j'y vais les yeux fermés. Et vous laissez aller plus qu'avec n'importe qui d'autre. Ça prendrait peut-être un peu plus de temps avec un autre. Mm. Non, c'est un acquis, c'est du temps de gagner, je trouve. Quoi. Mm. Oui, parce que typiquement, là, dans la pièce, Eric joue un personnage très, très fort, très charismatique, mais très, très drôle. Ah oui. Les gens rient beaucoup à la plupart de ses répliques, oui. Exactement. Et je pense que ça va surprendre aussi beaucoup de gens de voir une nouvelle facette d'Eric et peut-être, en effet, le fait de partager sa vie et de le connaître. Moi, je le sais. Voilà. Et comme c'est quelqu'un de très pudique et qui se protège et qui n'est pas forcément très avenant au premier abord... Je n'aurais pas dit ça comme ça. C'est vrai, mais c'est une forme de protection. Mais oui, c'est une forme de protection. Et ça aussi, ils se ressemblent beaucoup avec Grégory. Grégory aussi est quelqu'un de très pudique. Comment on brise la glace avec Eric? Non pas que j'ai des intentions. Non, mais justement, pour dépasser ce côté peu avenant, qui peut vraiment intimider, pour le coup, je vous dis ça en vous regardant bien dans les yeux, pour aller au bout de ma phrase. Oui. Comment on fait pour briser la glace? Mais demandez-lui. Mais non. Moi, je pense ça.
Oui, parce que vous tournez, vous faites ça, votre verre, mais qu'après, l'état d'après... Je crois que c'est le temps qui fait... Et puis moi, j'ai une phrase qui m'a marqué énormément, une phrase de mon grand-père qui me disait... tiens, une bouche et deux oreilles, il faut écouter deux fois plus que tu parles. Et donc, j'écoute. Et ensuite, instinctif, c'est aussi dans l'énergie, dans le truc. Après, peut-être on se trompe, on ne sait pas, quoi. Mais il y a une recherche comme ça qui doit se faire instinctivement. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ressent, quoi. Et puis après, on va ou on ne va pas ensemble, quoi. Mais en tout cas, dans le travail avec Rachida, pour la deuxième fois, je trouve que c'est beaucoup plus facile, plus simple. Que la première fois. La première fois, c'était très, très, très dur. Ah oui. Là, on s'est attrapé un petit peu, mais... Ah, quand même. La première fois, énormément, c'est-à-dire 10 jours de la première, ah oui. Je suis parti, j'ai dit, je ne reviendrai jamais. C'est sympa. Et là, le producteur, vous courez non, après. Non, vous... du tout, on s'est arrangé, finalement. Et ça, non, on s'est arrangé. Non, pas 10 jours de la première, même... la veille de la journée presse, où il y avait... toute la presse et puis des journalistes anglais, italiens, espagnols, enfin de tout. Et l'attaché de presse qui m'appelle le soir en me disant « Il va venir demain ?» Je dis « Mais j'en sais rien et je m'en fous !» Ah oui, vous étiez dans cet état-là aussi. C'est pas vous qui allez le récupérer. Ah non, alors. Ah non, les deux têtes de mule, quoi. Oh mon Dieu. Ah oui, dites donc. Mais en tous les cas, finalement, je me rends compte que dans le travail, en tous les cas, tout ce qu'elle propose, c'est elle qui a raison, quoi. Ouais. Après, ben voilà. Dans le travail. Fragilité, donc c'est, ça crée un peu... Et c'est pas compliqué à vivre pour les autres acteurs, du coup, pour Caroline Siol, par exemple, d'avoir cette relation entre vous. Ben, donc, justement, là ça s'est beaucoup mieux passé, quoi. Il y a pratiquement eu du conflit. Ouais, non, mais c'était une matinée, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. En tout cas, Caroline Siol, vous la connaissiez bien tous les deux, puisque lorsque vous vous êtes rencontrés, elle était là. Mais oui. C'était sur le tournage du film L'Outre-Mangeur. Évidemment, elle s'en souvient et elle nous raconte. C'était sur L'Outre-Mangeur et c'est le film sur lequel ils se sont rencontrés, eux. Je ne m'aperçois jamais de rien, mais ils ont été très très discrets. Nous avons été les seuls du métier à être invités à leur mariage et nous étions très émus parce qu'on se sentait un peu responsables. Ils sont tous les deux tétanisés de trac. Il y en a un qui l'exprime plus, c'est Rachida, et l'autre qui est plus secret. Elle a une autorité naturelle. Sa délicatesse. Peut se moquer un petit peu, mais très très amoureusement, mais il l'écoute comme un musicien avec un chef d'orchestre. Et elle est admirative de ça et de votre autorité, hein, apparemment. On aura bien noté. Vous faites beaucoup de choses ensemble, vous faites du théâtre, du cinéma, des chansons, vous les écrivez et vous les chantez, ça c'est assez, assez étonnant. Vous ne chantez pas, Eric, par contre ? Si, si. Si, un peu ? Si, je peux chanter le petit moineau. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est quoi, mais en fait, le petit moineau, oui ? Ouais, non, non. Ah ben là, faut pas nous tenter. Hein. En fait, vous n'arrivez pas. On se jette dessus. Hein. J'ai fait une tournée mondiale avec le petit Alors ? Mais, on attend. Privé, dans des petites salles, voilà. Privé, voilà. Vous faisiez le show le soir en rentrant. C'est ça, en fait. Les chansons que chantait mon grand-père tout le temps. Après et puis que voilà qu'on se transmet comme ça. D'accord. Vous nous avez mis en appétit. Hein. Lui qui est tellement timide, il le chante partout. Mais partout. Dans un restaurant, il connaît personne. Il est capable de se lever et de chanter Petit Moineau. Il va le faire. Il va le faire. Sous la table, Rachida. Au dessert. Non, je le soutiens. Mais... Non. Un petit Pardon, moineau. Mais oui, il nous faut ce petit moineau. Je t'envie, Petit Moineau. Toi qui viens quelquefois pour me rendre visite. Perché sur l'un des barreaux de cette minuscule lucarne a l'air si triste. Mais lorsque toi, tu ne viens pas, j'y vois un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur. Et je t'attends chaque fois à croire que maintenant, tu sais, lorsque c'est l'heure. Bravo. Et mamma se ne more, perdona mio mamma, si fa tutto tanto malo. Et ça continue, c'est magnifique. Bravo!
Vous n'avez pas dansé, mais on est content de vous avoir entendu. Je sens vraiment bien parce que... Ah, bon. C'est pas, c'est vraiment quand il n'a pas bu rien. C'est ça. Mais voilà. C'est la tomate farcie. C'est la tomate farcie. C'est tout le monde. C'est l'effet familial. C'est magique. Merci beaucoup. On est vraiment ravis. Rachida a passé un excellent moment. On est content de partager ça avec eux. Alors je disais, vous faites plein de choses ensemble. Est-ce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous séparer en fait? Chanter, écrire, travailler? Le premier album, j'ai écrit les paroles. Mais ouais. Là, elle est en train de préparer un second album où elle écrit, elle, les paroles. Ah oui. La musique, c'est Gaëtan Roussel. Et j'ai écouté quelques morceaux qui sont extraordinaires. Ouais. Ça va être un grand album. Il y aura le petit moineau en bonus. Non, bah non. Il y a autre chose que vous faites ensemble, c'est de la pub. Ah. De la pub. Vous avez tourné une pub pour une grande marque de vêtements. Et je vous propose de regarder et d'en parler 2-3 secondes après. Je m'appelle Rachida. Je m'appelle Eric. On s'est rencontrés, en fait, il me disait qu'il me connaissait. Ah oui. Depuis la nuit des temps. Est-ce que je me souviens du premier baiser? Tu t'en souviens, toi? Ouais, je m'en souviens. Pas toi? Bien sûr. Je me souviens du dernier aussi. Oh, c'était il y a longtemps. Oh. Est-ce que vous étiez complètement à l'aise, Eric Cantona, pour tourner la pub? Ouais, pourquoi? Ouais. Non, non, mais d'aller sur ce terrain-là, personnel, dans une pub, c'est facile. Ouais, bah après, on raconte ce qu'on veut, hein. Oui, forcément. Ah oui, tout est faux, quoi. Non, il y a un compliment. Ah, vous êtes très, très mignon. Il se souvient pas du tout du premier baiser, en fait, c'est ça? Non, du dernier, c'est ça, c'est une provocation. Alors, vous partagez plein de choses, y compris la réputation d'avoir un caractère bien trempé. On a commencé à le démontrer, mais on a d'autres preuves. Je pense notamment, alors vous étiez très jeune, toute jeune comédienne au conservatoire, et vous aviez entendu... Jean-Pierre Miquel, dans une émission sur la Comédie Française qu'il dirigeait alors. Et voilà ce que disait alors l'administrateur de la Comédie Française. Pourquoi à la Comédie Française, on ne trouve pas de comédiens, de comédiennes de couleur? Parce que dans le répertoire, il n'y a pas de rôle de couleur. On pourrait imaginer un Scapin Beurre, non? Oui, bien sûr. On peut parfaitement le jouer puisqu'on en a. On en a. Alors pourquoi ça, oui. Bon, pourquoi ça n'arrive pourquoi pas? Ben parce que le metteur en scène trouve que c'est une connotation tellement précise que ça va raconter aussi quelque chose de très précis qu'il n'a peut-être pas envie de raconter. Et ça vous a rendu folle? Folle. Et alors, comment avez-vous réagi? Je suis allée faire le pied de grue devant le journal Le Monde. Mm-hmm. Et j'ai demandé à voir un journaliste. Et j'étais élève au conservatoire. Et j'avais demandé à la promotion de faire une lettre avec moi, avec une pétition. Très peu ont voulu signer. Ouais. Comme on était au conservatoire, et ça l'est toujours inconsciemment, le conservatoire, c'est un petit peu l'antichambre de la Comédie Française. Donc, ils se disaient, oh là là, je ne veux pas me griller avec l'administrateur parce que j'aimerais rentrer dans cette maison. Donc, il y a très peu ont voulu signer, mais il y en a eu quelques-uns. Et puis, elle est parue, cette lettre, dans le journal Le Monde. Et 3 ans après, j'ai été engagée à la Comédie Française. Parce qu'il y a eu un changement d'administrateur et donc il y a eu la passation de pouvoir. Et quand je suis entrée pour signer mon contrat, j'avais croisé Jean-Pierre Miquel. Mm-hmm. Je dis, ben voilà, je suis là. Voilà, la plus belle des réponses, finalement. C'est choquant d'entendre des choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Ça paraît...